What's going on, guys? Bienvenue, bienvenue. Nous allons reparler un peu de Front Mission 4. Alors, je n'étais pas très satisfait, en fait, avec ce que j'ai montré dans les jeux du passé, dans l'épisode pour Front Mission 4, à cause de la qualité, en fait, de l'émulateur. Donc, maintenant, je vais montrer. J'ai beaucoup trifouillé. Donc, maintenant, vous allez voir que le jeu est complètement fluide. Il est toujours à 60 FPS, 60 Hz, car c'est la version américaine. Très très sharp, tout ce qui est graphisme et tout ça, je vais vous montrer en fait en temps réel les changements et comment la version PlayStation 2 est, et je vais vous montrer quelques options aussi, parce que le jeu en fait est assez dur à faire fonctionner apparemment sur PC SX2, donc l'émulateur PlayStation que j'utilise. Donc voilà, donc en gros, là c'est le meilleur, on va dire, le meilleur setup que j'ai pu faire. Donc il n'y a aucun problème, franchement il n'y a pas de problème. Donc vous voyez que le jeu, je m'éloigne un peu, je montre un peu tout, on zoom, on dézoom et tout ça. Les FPS sont constants, 60 FPS partout, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là le jeu est nickel, hein. Tout qui marche, vous voyez que les textures sont très jolies aussi, vous voyez les bâtiments, tout ça, il y a des détails. Et on va voir aussi les robots quand ils combattent. Voilà, les animations sont très bonnes, tout qui marche, le son est très bon. Voilà, les ombres aussi sont très bonnes. Les ombres, c'est toujours un gros problème dans le jeu. Voilà, tout est bien, hein. tout est très bien. Alors là, il manque un peu des ombres dans certaines cinématiques, mais je vais expliquer pourquoi. Le problème de ce jeu, en fait, de Front Mission 4 sur l'émulateur, c'est surtout les ombres, et je vais montrer ça comme pourquoi. Donc on va faire quelques tours. Enfin non, je pense que vous avez compris que le jeu était beau. Je pense que, bon, on va éviter d'en montrer plus, on va juste montrer ça, le petit combat là. Voilà, le jeu est beau, il n'y a pas de problème. Voilà, tout va bien. Maintenant, donc je vais vous montrer en fait la version PlayStation 2. La version PlayStation 2, ça me fait rire de dire ça. Donc, la dernière fois, en fait, sur l'épisode des jeux du passé, je l'avais mis en software. Software, c'est la version léger, en fait. Et du coup, ça ressemblait plutôt à ça. Donc maintenant, bon, vous entendez avec le son tout ça, les FPS sont entre 30 et 45 à peu près. C'est flou, c'est pas stable, etc. Donc voilà, donc ce qu'il faut faire... C'est passé en hardware, donc je vous remontre. Donc vous passez en hardware, Direct 3D 11 hardware. Donc maintenant vous allez ça, mais ça c'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant parce qu'il faut bidouiller quelques trucs. Alors si vous passez donc en hardware, je suis désolé, ça coupe le son et tout à chaque fois que je vais dans le menu et que c'est normal, hein, mais c'est voilà, si c'est embêtant pour vous. Alors si on enlève ça. Et on fait ça. Donc voilà. Déjà, vous voyez le premier problème. En fait, normalement, quand vous passez en hardware, c'est comme ça. Bon, le jeu va être fluide, tout ça. Après, le truc, ce qui est important aussi, donc le son va encore couper. Ce qui est important aussi, c'est le natif, la résolution. Si vous mettez native normal, en gros, ça va être de la PlayStation 2. Donc vous voyez, c'est flou, c'est pas très beau. Donc. Je vous conseille bien sûr de le mettre à fond, donc vous regardez bien les textures maintenant et regardez quand on les met à x8. Voilà, vous voyez la différence quoi, c'est quand même magnifique, enfin, c'est du tout ou rien quoi, hein. C'est quand même beau. Par contre vous avez vu que maintenant il y a un problème en fait au niveau de l'interface. L'interface est comme un peu buggée, il y a des traits un peu partout. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc je remontre en natif ce que ça vous donne. Regardez l'interface. L'interface normalement est comme ça. Donc il n'y a pas de traits partout, tout ça. Normalement l'interface est bien comme il faut. Et donc...
pour parer à ce problème d'augmenter en fait la résolution interne du jeu pour avoir des meilleurs graphismes en gros, il faut aller dans Hack et il faut faire ça. Donc déjà normalement ça s'est décoché. Il faut mettre le offset de X et Y à 500. Quand vous mettez le offset de X et Y, en fait ce sont les lignes verticales et horizontales, car quand vous augmentez en fait la résolution, en gros les lignes se décalent et sont plus ou moins partout dans le jeu. En gros ça fout le bordel dans le menu. Donc voilà, vous devez mettre 500, donc X et Y, offset X et Y, 500, et voilà. Maintenant vous avez le menu qui est normal. Donc ça c'est cool, donc le menu est redevenu normal. Mais, c'est pas fini. Regardez un peu les combats. Regardez les ombres. Vous voyez que les ombres, en fait, sont complètement décuplées et sont moches et ne réagissent pas normalement. On est d'accord, elles ne réagissent tout simplement pas normalement. Voilà. Donc ça, c'est un autre problème de le mettre en hardware. Donc voilà. Donc, pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours aller dans le hack et on va activer l'alpha. Donc l'alpha, ça vous dit que c'est un différent système et ça peut résoudre quelques problèmes par rapport aux ombres. Donc ce qui se passe pour Front Mission 4, on va dire que ça en supprime pas mal des ombres. Donc des fois vous allez avoir des combats en fait sans ombre. Là, on a un angle un peu à la con avec l'immeuble qui est devant. Bon, ça, c'est le jeu, c'est pas l'émulateur. Hein. Mais certaines ombres, en fait, vont disparaître. Là, il va sûrement nous attaquer, donc on va voir. Donc voilà. Des fois, vous allez avoir des trucs comme ça où c'est qu'il n'y a pas d'ombre du tout. Alors, c'est pas vraiment un problème, franchement, je trouve. Parce que c'est vrai que les ombres deviennent un peu trop grosses. En plus, il y a des fois le menu qui se dédouble dans les ombres, c'est très très moche, hein. Ça peut être très très moche. Donc du coup, je vous conseille de cliquer l'alpha, et du coup, ça va, on va dire, purger la plupart des ombres pendant le jeu, pour éviter que ça soit la merde. Donc, avec ce système de hardware, vous avez des graphismes nettement plus élevés, donc 8 fois le natif de la PS2, tout le temps à 60 FPS constant. Le menu aussi est bon, hein. Vous voyez que le menu, il n'y a pas de problème, hein. Même si je bouge la caméra, tout ça, le menu est très net, comme normal, quoi. Et ça vous enlève quelques ombres, et ça vous enlève les plus gros problèmes, en fait, avec les ombres. Donc voilà, donc je pense que c'est la meilleure configuration de PCSX2 pour Front Mission 4, et je soupçonne que Front Mission 5 est plus ou moins la même chose. Ce sont des jeux un peu difficiles à émuler parce que ce sont des jeux de PS2 vers la fin de la PS2, si je me trompe pas, donc c'était des gros jeux, on va dire. C'était quand même des jeux qui étaient assez avancés niveau graphisme, qui utilisent certaines méthodes, tout simplement, hein, tout simplement certaines méthodes de graphisme. Donc qui sont un peu durs à émuler. Donc du coup, voilà, je pense que ça c'est la meilleure façon de l'avoir. Voilà, j'ai fait juste cette vidéo parce que j'étais pas très très heureux par rapport à ma vidéo des jeux du passé. Je vais peut-être la rajouter dans la playlist. Comme ça, les gens, si vous êtes curieux, vous pourrez le voir. Mais voilà, donc jouez comme ça et vous aurez pas de problème. En tout cas, je pense que le prochain jeu pour les jeux du passé sera sûrement Front Mission 5, parce que j'ai envie de le tester du coup. Et sûrement je vais faire un playthrough, alors je sais pas quand, un let's play sur Front Mission 4, parce que je l'ai jamais fait en entier le jeu. Donc du coup, vu que maintenant j'ai trouvé un bon moyen de l'émuler, tout ça, je pense que c'est pas mal. Après vous voyez que sur les portraits par exemple, je sais pas si ça se voit, c'est très léger, mais vous voyez qu'il y a des morceaux de noir en fait qui sont enlevés. Donc du coup ça fait comme s'il y avait un peu des trous dans les portraits. Mais ça c'est à cause du fait qu'on a balayé les ombres, je crois. Donc voilà, mais c'est rien de bien méchant, quoi, c'est vraiment... Mais vous voyez que pour les cinématiques, il y a les ombres normales, les ombres propres, pas démesurées, pas décuplées, rien de bizarre, quoi. Donc le jeu marche très très bien.
Donc voilà, tout le menu est très bien comme ça. Voilà, en tout cas, je suis très content de ça. Et ouais, prochainement, sûrement... prochainement... Front Mission 4. Voilà, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Salut, ciao.